Non mais qu'est-ce qui se passe là? On vient de recevoir une lettre de la part d'un abonné ultra mystérieux même, ultra bizarre, qui nous donne rendez-vous et... C'est vraiment super étrange cette situation quand même, sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et on l'a un peu piégé. Bon allez, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Salut! Si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Oh ça m'énerve, y'a aucune de mes copines qui veut sortir, je vais encore rien faire de ma journée. Lily Rose, on a un problème là. Je viens d'aller à la boîte aux lettres et on a reçu une lettre au nom de Pink Lily. Je pense que c'est un abonné qui nous a envoyé ça. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Je t'ai dit de me laisser tranquille. Non, je partirai pas. Là, on a un gros problème, viens. Je veux pas ouvrir la lettre tout seul, je veux pas faire ça. Je veux plus te voir, je te fais la tête. T'as montré mon bulletin aux parents. On réglera le problème plus tard. Là, il faut s'occuper de ça pour savoir ce qu'il nous veut exactement. Bon, ça tombe, il veut juste nous dire qu'il adore nos vidéos, c'est tout. Oh, quoi encore? Je suis sûre que c'est juste une abonnée qui a voulu nous faire plaisir. Allez, on va ouvrir. Ah, c'est bien scotché quand même, non? Ah, enfin, alors, c'est quoi ça? Mais c'est trop mal plié. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar encore? Bon alors, on va lire cette lettre. Bonjour, je suis un abonné. Je connais tout sur vous. Venez me voir ou vous serez hanté pour toujours. Ouh là 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 là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, je peux pas être hanté encore une fois. Et c'est quoi ce rendez-vous là? Il veut qu'on vienne où exactement? Bon, je veux plus voir cette lettre là. Garde-la pour toi, c'est trop bizarre. Moi, je veux plus entendre parler de tes histoires de fantômes, de gars bizarres là. Allez, pars de ma chambre. Mais non, Lily Rose, il faut que tu m'aides là à trouver une solution. On sait même pas où aller, on sait même pas ce qu'il veut qu'on fasse. Moi j'y vais, j'ai pas de temps à perdre. Je vais à la rencontre de cet abonné, j'ai pas envie que notre maison soit hantée encore une fois. Ouais, vas-y, pars. Oh là 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 là. Quand il comprendra que c'est juste un abonné qui veut nous faire une blague, il reviendra tout de suite. Bon, en attendant, je vais regarder les commentaires de notre dernière vidéo. Comme ça, on verra nos abonnés qui sont vraiment gentils. Sortez des vidéos plus souvent parce que je vous adore. Vous êtes trop créatifs et j'adore vos vidéos. Salut, c'est un abonné mystère. Si vous ne venez pas dans le parc, je vais hanter votre maison. Quoi? C'est sûr que c'est l'abonné qui nous a envoyé une lettre. Faut que je le dise à Esteban. Esteban! Bon, bah voilà les amis, donc là je suis partie de l'appartement et je vais devoir aller chercher l'abonné. Je sais pas du tout où est le rendez-vous, mais bon, à côté d'ici il y a une forêt et c'est le seul endroit vraiment mystérieux qui est pas loin. Oh non, il est déjà parti aller chercher l'abonné. Bon, bah maintenant au moins je sais où aller. Dans le parc, bah je sais pas lequel en fait, il y a tellement de parcs. C'est un parc mystérieux. Bon bah là les amis, je suis juste à l'entrée du petit parc comme ça. Et j'essaie d'observer pour voir s'il y a des gens qui rentrent, s'il y a déjà quelqu'un à l'intérieur. Vous entendez, il y a des voitures et tout, donc bon, vous inquiétez pas, c'est un parc qui est juste à côté de la route, il y a des maisons juste à côté. Mais pour l'instant, il n'y a personne, donc je sais pas si l'abonné est venu au rendez-vous dans un parc ou si c'est dans la forêt qui est juste à côté du parc. En attendant, je vais attendre ici et je vous dirai s'il y a quelque chose qui se passe, mais j'espère que du côté de Lily Rose, ça va. Bon, de toute façon, elle est dans son lit, il y a notre mère qui est à la maison aussi, donc je m'inquiète pas trop pour elle. Allez, je vais aller prévenir Esteban d'aller au parc là, bizarre. C'était quoi ce bruit? Oh non non non, j'espère qu'il a pas déjà hanté notre maison. Bon allez, je vais me cacher, moi j'ai un petit peu peur quand même. Attendez les amis, attendez. Là je viens de recevoir un truc de téléphone là, enfin j'entends la sonnerie depuis 3 minutes, ça fait 3 minutes que quelqu'un appelle. Allô? Qui êtes-vous? J'espère que c'est juste Esteban qui est rentré. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça vient de la salle de bain. Il y a quelqu'un qui est rentré, mais qui? Je vais aller réveiller maman, elle est en train de dormir. Je suis sûre qu'elle a rien entendu. Peut-être qu'elle est dans la salle de bain, mais ça m'étonnerait qu'elle claque les portes comme ça. Et oh, c'est qui? Vous êtes qui? Oh non, la porte est bloquée. Toc toc toc, y'a quelqu'un? Et oh, c'est l'abonné mystérieux qui nous a envoyé une lettre. T'inquiète pas, n'aie pas peur, on n'est pas méchant, on va pas se manger. Il répond pas, je vais aller réveiller Mama Pink. Ah, c'est bon. Oh,
Esteban, c'est toi, tu m'as fait peur. Ah, désolé Lily-Rose, désolé si je t'ai fait peur. Je suis allée au parc, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, sauf un petit truc. Il y a quelqu'un qui m'a appelé plein de fois sur mon numéro, j'ai fini par décrocher et j'ai entendu que c'était l'abonné apparemment et qu'il était dans la maison. Je sais pas si t'as vu quelque chose du coup. On pense qu'il y a un abonné qui est rentré dans la salle. Ah, vous m'embêtez avec vos bêtises. Pourquoi elle veut pas nous aider? Moi je vais y aller et je vais chasser cet abonné. Allez, sors petit. Petit abonné. Hey. Non Lily-Rose, en fait j'ai peur. J'ai pas envie d'ouvrir. Ça tombe, le petit abonné, il est méchant et il va me manger. Oh c'est bon, arrête d'avoir peur. Tu vas pas avoir peur d'un petit abonné quand même. J'ai peur, ça tombe, il va me manger. Ça tombe, c'est un faux abonné qui est en fait une sorcière ou une poupée hantée. Ça tombe, c'est Talking Angela ou Siren Head. Bon, c'est pas grave. Allez, je prends mon courage à trois mains et j'y vais. 1, 2, 3. Oh mince, la porte est bloquée. Oh mince. Oh non, Esteban est derrière en plus. Oh mince, la porte. Eh oh. Oh punaise, la porte s'est fermée. Comment je vais faire? Il n'y a pas d'abonné ici. Il n'y a personne dans cette pièce. Lily-Rose m'a menti ou quoi? Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh oh, Lily-Rose. Eh oh, tu m'entends? Tu m'entends? Moi, je t'entends pas, hein, tu m'entends? Ouvre-moi. Eh oh, il y a quelqu'un? Je suis enfermé ici, maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, bah, je peux me laver, mais bon... Non, non, je peux rien faire. Je peux boire, je peux me brosser les dents, je peux manger des serviettes. Mais qu'est-ce que je vais faire tout seul ici? Eh oh, Lily-Rose, ouvre-moi. Lily-Rose. Maman Pix, Maman Pix. Et Esteban, il est enfermé dans la salle de bain, je l'entends plus. S'en fout, je crois. Vous m'embêtez. Vous m'embêtez. Bon bah ils m'ont abandonné ici, je pense, dans cette salle de bain. Ou peut-être qu'ils m'entendent pas. Mais sinon, comment l'abonné a fait pour s'enfuir? Y a pas d'issue, y a pas de fenêtre, y a rien. Oh, peut-être qu'il est parti par le trou. Ou par ce trou là. Peut-être que c'est un abonné qui fait la taille d'un spaghetti. Non, je deviens fou à force de rester ici tout seul. Bon bah si tu t'en fiches, je vais récupérer Esteban toute seule et puis voilà. Ah, quelle mère indigne. Bon bah je sais toujours pas comment sortir moi. Oh, j'ai une petite idée. Et si je prenais une brosse à dents électrique pour ouvrir la serrure de la porte? Avec les tremblements de la brosse à dents, ça tombe, la porte va s'ouvrir. Ouvre-toi. Je suis un très très mauvais voleur. Bon bah voilà les amis, cette vidéo est terminée. Comme vous pouvez l'avoir compris, c'est un sketch. Y a pas d'abonné mystérieux comme ça. Heureusement que vous faites pas ça. T'imagines, on en trouve dans notre salle de bain. Oui. Non, ne faites pas ça, c'est même pas drôle. Bon allez, donc cliquez sur une vidéo qui apparaît. À la prochaine, bye. Bye les amis, gros bisous.